IRES, société de conseil et de gestion indépendante, spécialiste en retraite, épargne salariale et actionnariat salarié. Bonjour à tous. Durant la période particulière que nous venons de connaître, les éditions Francis Lefebvre, les éditions législatives et Francis Lefebvre e-compliance ont fortement accompagné la profession des experts comptables par l'ouverture de nos fonds et de nos services pour vous aider au maximum tant les évolutions réglementaires ont été abondantes. Notre volonté, vous accompagner dans le développement de vos missions comptables, fiscales, sociales, juridiques, audit et gestion de patrimoine, tant sur le plan de nos fonds numériques que sur nos outils de simulation et nos offres logicielles. Et ce, à travers nos trois maisons. Les éditions Francis Lefebvre, bien entendu, sur l'ensemble des missions. Les éditions législatives, particulièrement sur toute la partie sociale. Et enfin, Francis Lefebvre e-compliance pour ce qui relève des outils de contrôle de conformité. C'est donc avec grand plaisir que nous vous accueillons sur notre stand virtuel pour échanger et partager ensemble. Je tiens à vous remercier très chaleureusement pour votre fidélité. Nous sommes un lien entre les gens, un lien de confiance et de solidarité, mais aussi et surtout un lien pour aller plus loin et permettre à chacun de vivre mieux. Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux. Bien, bonsoir à vous, amis congressistes qui nous suivez depuis lundi, tellement nombreux, plus de 4500, sauf erreur de ma part, tout au long de cette semaine. Et ça n'est pas fini, puisque le sujet qui nous réunit pour cet ultime rendez-vous est un sujet majeur, rien de moins que d'imaginer, de se projeter sur ce que sera l'audit de demain. Et on va le faire avec trois personnalités qui méritent le respect, d'abord pour avoir tenu jusqu'à vendredi soir, et puis pour leur qualité tout au long de l'année et leur investissement au sein de CF. Je parle de Jean-François Malène, qui est CAC à Bourg-en-Bresse notamment, avec le, vous avez vu la liaison, Bourg-en-Bresse, très important, candidat ECF à la Compagnie Nationale, président de la commission CAC à ECF évidemment. Vincent Régnier, qui est un tout petit peu au-dessus sur mon écran, mais je ne sais pas vous. Oui, Vincent Régnier, qui est CAC à Paris, président de CF Paris-Île-de-France, candidat à la Compagnie de Paris. Et puis Olivier Artaud, qui est ancien président de la Compagnie régionale de Lyon et qui est tout simplement candidat au bonheur. Merci à tous les trois de participer à ce moment. On a beaucoup de choses à se dire. Je vous propose d'abord de débuter par une question qui paraît un peu surprenante, mais finalement, les CAC se sont révélés eux aussi pendant cette période de confinement. Comme le disaient hier Lionel Tanesi et Jean-Luc Fabot, pour les experts comptables, les commissaires aux comptes ont été très présents auprès des entreprises. Jean-François. Oui, alors on a eu de toute façon la même réaction en tant que professionnel, qu'on soit expert comptable ou commissaire aux comptes. On a appelé nos clients, on a eu le souci de savoir comment ils allaient eux, comment allaient leurs équipes et comment ils avaient réagi à la situation. Donc effectivement, on a fait tout ce travail de lien et de recherche avec eux, des solutions qu'ils cherchaient à adopter et à mettre en place et de les orienter vers telle ou telle organisation pour les accompagner. Et c'est effectivement un moment très important dans lequel la profession a été présente. Encore une fois, on est un professionnel et qu'on soit commissaire aux comptes ou expert comptable, on réagit de la même manière. Donc, on a fait ce travail, oui. Olivier, en région, on s'est mobilisé. Et du côté de Lyon aussi, on est allé voir les entreprises qui n'avaient pas d'experts comptables et on s'est rapproché d'elles et on les a accompagnées. Oui, on les a accompagnées avec beaucoup de réactivité dans cette période critique, dans cette période où les dirigeants avaient une période très anxiogène pour tout le monde, hein, bien évidemment, mais aussi et peut-être encore plus pour les dirigeants,
à deux titres, hein, titre privé comme tout le monde, mais à titre professionnel aussi, et avec malgré tout, même si le gouvernement a fait ce qu'il pouvait, beaucoup d'annonces, de contre-annonces, de changements de cap et une lisibilité dans la stratégie pas forcément évidente. Et donc, on a été très sollicité pour décrypter les textes, décrypter les annonces, expliquer les écarts entre les annonces et les textes, attendre les décrets et en permanence au chevet des entreprises avec une réactivité très, très importante. Ce qui n'a pas forcément été le cas, par exemple, sur un certain nombre d'organismes publics. Je pense notamment à tous les organismes en charge de la prévention des crises sanitaires. Il y en a beaucoup en France. Des hauts conseils, des comités, des agences, des directions, des sous-directions. Il y a plusieurs milliers de personnes qui sont chargées d'anticiper tout ce qui est risque de pandémie. Et là, on voit que le public est quand même nettement moins réactif que le privé sur ces sujets, puisque les commissaires aux comptes ont été tout de suite dans un espace-temps au chevet des entreprises. Enfin, quand même, le public a un peu réagi quand même. Les hôpitaux sont bien organisés, ils ont tenu le coup. Ne tapez pas sur le public comme ça quand même. Il y a eu pas mal de sauvés sur ce pays. Vincent, qu'est-ce que vous pensez? Non, moi je pense que ça a été, comme à toute crise, il y a toujours quelque chose de bon. Donc c'est vrai que c'est une crise inédite. On n'avait jamais rencontré un tel phénomène, mais c'était général. Et puis, les commissaires aux comptes, ils venaient de passer une période compliquée. On en reparlera tout à l'heure. Et somme toute, ils avaient peut-être aussi un déficit d'image. Et je me suis rendu compte, moi, au cours de cette période, mais ce n'est pas moi directement, c'est l'ensemble des confrères, qu'il y a véritablement un tel engagement que l'image des commissaires aux comptes a très sensiblement changé auprès des clients. Somme toute, quand tout va bien, quand on voit le commissaire aux comptes que dans un flux normal dans une période apaisée, bah, somme toute, on trouve toujours des choses à redire, éventuellement on ne le trouve pas présent, et là il y a eu une telle mobilisation des professionnels auprès de leurs clients, une telle présence, et comme le disait Olivier, il y avait un tel besoin d'explication par rapport à des textes qui n'étaient pas souvent simples à expliquer, et puis il y avait aussi un travail très concret qui était fait en parallèle avec les experts comptables lorsqu'il y avait des experts comptables qui étaient présents sur les dossiers, mais bien évidemment pour les mises en place de chômage partiel. Alors ça, ce n'est pas les commissaires aux comptes qui le faisaient, c'était des experts comptables. Par contre, les PGE, et pouvoir analyser les PGE et pouvoir aider les clients et leur apporter des avis concrets par rapport à la façon dont ils montaient leurs dossiers, leur fournir les attestations nécessaires. Là, les CAC ont été présents. Ça a été un boulot colossal. Est-ce qu'au fond, on n'est pas déjà en plein dans le sujet, puisque les commissaires aux comptes sont allés au contact, ce qu'ils faisaient peu. Oui, ils sont sortis de la tanière, c'est bien. Ils sont sortis du bois. Et au fond, est-ce que ça n'est pas une réaction qui prouve bien que les commissaires aux comptes ont compris que demain, ils devront être davantage choisis et un peu moins subis, Jean-François? Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Parce que au contact des entreprises et des chefs d'entreprise, on l'est en tant que commissaire aux comptes. Là, il n'y a pas à en douter. C'est une évidence, c'est depuis longtemps. Est-ce qu'on est une population de personnes qui sont imposées aux dirigeants et là, c'est ce que vous voulez évoquer, effectivement, du coup, ils le subissent. Mais ils ont quand même le choix de sélectionner plusieurs candidatures pour devenir commissaire aux comptes et puis de faire leur choix. Mais effectivement, ça a démontré cette capacité des commissaires aux comptes à aider les entreprises, ça l'a démontré non pas aux commissaires aux comptes, qui en avaient bien conscience déjà, mais aux chefs d'entreprise qui, à un moment donné, ont pu nous voir sous un autre jour dans ce contexte particulier. Et c'est forcément une réflexion à avoir pour l'ensemble des PME, pour lesquelles, ben, vous savez, la loi Pacte a relevé les seuils, donc il n'y a plus de commissaires aux comptes qui soient obligatoires. Je pense que ça peut être un élément sur lequel on peut construire, oui. Mm-hmm. Il y a des réflexions à avoir. Olivier, sur cet aspect, le CAC est souvent présenté de façon caricaturale, évidemment, comme l'homme ou la femme d'un jour dans l'année. Là, oui. Visiblement, c'est peut-être, vous avez fait la démonstration que vous pouviez être là plus souvent, plus près dans l'accompagnement du chef d'entreprise. Je pense qu'effectivement, il y a eu un changement de paradigme avec cette crise. C'est qu'on avait historiquement une mission
qui était beaucoup ancré dans un temps long, et on intervenait pour certifier des comptes passés, et le cas échéant, s'il y avait des difficultés un peu plus tôt, etc. Mais c'est vrai qu'on était dans un temps long. Là, la crise a démontré que le commissaire aux comptes était capable de réagir dans un temps très court, avec beaucoup de réactivité. Et je pense que c'est un révélateur qu'il faut surtout garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui n'est pas un monde de temps long. Le monde d'aujourd'hui est un monde qui va vite, où il faut beaucoup de réactivité. Et en fait, je pense que les commissaires aux comptes se sont révélés comme étant une profession qui est capable de cette réactivité et d'être aux côtés des entreprises au quotidien, dès qu'il y a un problème. Et donc, je pense qu'il ne faut surtout pas l'oublier et il faut bien rester dans cette dynamique. Alors, vous avez parlé de la loi PACTE, évidemment, du relèvement des seuils. On est obligé de revenir là-dessus parce que votre institution a lancé toute une campagne baptisée Le Rebond. D'abord, première question, est-ce que cette loi PACTE, il faut considérer qu'elle a rétréci votre champ d'activité et c'est comme ça, et puis il faut passer à autre chose, ou alors est-ce que vous considérez qu'il faut analyser des relais de croissance pour la profession? Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-François? Alors, moi, je pense que, comme je suis un optimiste né, je regarderai plutôt le côté à moitié plein du verre. Et donc, le champ a été modifié, réduit pour certains cas, avec cet article de loi sur les petits groupes et les sociétés significatives. Ça a ouvert aussi un champ sur d'autres missions. Et puis, il y a tout un tas d'entités pour lesquelles il y a toujours besoin d'un commissaire aux comptes, quel que soit le seuil. Alors, on pense bien sûr aux associations. Mais ça a de toute façon révélé qu'il y avait un malaise entre la mission du commissariat aux comptes dans les entreprises de petite taille. On sait que depuis 2009, on a créé une NEP qui s'appelait la NEP 910 à l'époque et qui était la NEP PE. Qui n'a pas réussi à démontrer son utilité. On a été challengé régulièrement, le serpent de mer est ressorti, on supprime le CAC dans les petites sociétés, etc. Et puis, ben voilà, ça nous est tombé sur le nez, la compagnie n'a pas su s'organiser entre-temps. On a raté un rendez-vous avec nos clients, avec notre marché, et les clients de la compagnie nationale, ce n'est pas les commissaires aux comptes qui exercent leur mission, c'est les entreprises qui utilisent les services des commissaires aux comptes. Et c'est eux qu'on n'est pas allé écouter. Donc, ça a été un révélateur. Donc, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a un champ qui s'ouvre? Il n'a jamais été fermé, il a toujours été ouvert. Le commissariat aux comptes était quelque chose de considéré comme obligatoire. Il l'est encore aujourd'hui. On peut faire changer ça. Il suffit de faire un peu de marketing intelligent en disant, si on est révélé comme utile, le marché s'ouvrira. Donc, voilà. Alors, il y a quand même, je suis obligé de vous poser à l'un et aux autres la question de la mission ALP, hein, l'audit légal des petites entreprises, parce que c'est une réponse qui est présentée comme une réponse tout à fait intéressante. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce que vous pensez que c'est l'une des pistes importantes? Vincent? Qu'est-ce que j'en pense? Alors, c'est en effet une réponse. Est-ce que la réponse est satisfaisante? Non. Je dis tout de suite non, ce n'est pas satisfaisant parce qu'aujourd'hui, la mission ALP, telle qu'elle est déployée, telle qu'elle est présentée, elle n'est pas aujourd'hui totalement en phase avec ce que d'abord le marché attend. Ça, c'est la première des choses parce que l'utilité des commissaires aux comptes, c'est aussi l'utilité qu'en attend le marché. Et pourquoi elle n'est pas adaptée à l'utilité qu'attend le marché? Pardon? Pourquoi est-ce que vous dites ça? Je dis elle n'est pas adaptée à l'utilité parce que je ne suis pas persuadé que les entreprises attendent une certification light, somme toute relativement dégradée, sans avoir véritablement l'essentiel d'une mission de certification. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Je pense que ALP, telle qu'elle est, c'est pas véritablement… Alors, c'est certes un progrès, mais ce n'est pas obligatoirement une mission totalement adaptée pour les PME. Ce n'est pas un référentiel qui est encore totalement adapté, même s'il y a des progrès qui ont été apportés dans le cadre de la mission ALP. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est qu'elle demande aux commissaires aux comptes de s'ancrer sur un certain nombre de points, et en particulier sur une analyse des risques, alors que la mission ALP en tant que telle sous-entend qu'en termes de budget d'honoraires, en termes de prestations,
on diminue tout à fait le budget. Donc, on demande au commissaire aux comptes de s'engager sur une cartographie des risques, entre autres, qui n'existe pas dans la mission classique. On le fait différemment à travers les NEP, mais on n'a pas véritablement à émettre un rapport vis-à-vis du client. Donc, on demande au commissaire aux comptes d'émettre un rapport qui est très engageant avec un budget qui est relativement réduit. Donc, je ne suis pas persuadé que c'est une bonne réponse pour proposer un rebond à la profession de commissaire aux comptes. Vous partagez cette analyse, Olivier ? C'est un mandat de 3 ans quand même, c'est pas… Oui, c'est un mandat de 3 ans. 3 ans, ce n'est pas suffisant, déjà pour respecter un principe qui est nécessaire à notre mission, qui est le principe d'indépendance. Je rappelle qu'on a une mission au service de l'intérêt général, c'est-à-dire qu'on travaille pour les parties prenantes et on travaille pour la sécurité financière. On ne travaille pas pour l'entité qu'on audite, même si ce n'est pas une raison pour ne pas lui apporter de valeur ajoutée, mais c'est en tout cas pas pour elle qu'on travaille et on a des situations dans lesquelles on peut être en conflit important avec le dirigeant de l'entreprise. Cas de révélation de faits délictueux, on tombe sur un voyou, problématique de défaillance d'entreprise, il faut déclencher l'alerte, etc. Donc, on a une mission qui est quand même une mission régalienne. Pour pouvoir exercer cette mission régalienne et monter au front vis-à-vis du dirigeant, il nous faut un mandat plus long et un mandat de 6 exercices nous permet de faire ce travail. Sur un mandat de 3 exercices, le problème, c'est qu'on risque de vouloir jouer le renouvellement. Et donc, ça veut dire que la première année, on arrive sur le dossier, il faut prendre connaissance du dossier, etc. Donc, peut-être qu'on peut passer à côté des trucs. Et la dernière année, on joue le renouvellement, donc peut-être qu'on peut passer à côté des trucs. Donc, il reste une année où on peut faire le travail. Donc, moi, j'y crois pas, voilà, clairement. Et j'ajouterais en complément de ce que dit Olivier et Vincent, c'est que ce rapport qui nous est demandé, il a une novation très importante, c'est que le commissaire aux comptes va exprimer, bien sûr, à la direction les risques qu'il y a et les conséquences que ça peut avoir. Alors, il y a 3 composantes, hein, financière, gestion et comptable. Mais ce rapport, il est prévu par un texte de loi. Donc, quelque part, il est officiel et il peut être demandé par des autorités qui viendraient faire des contrôles et qui voudraient s'appuyer sur ce rapport pour orienter leur contrôle. Alors, on pense à l'administration fiscale, mais il peut y avoir aussi la sécurité des personnes, hein, donc l'inspection du travail. Il peut y avoir des contrôles sanitaires, etc. Donc, ça veut dire que nous, en tant que commissaire aux comptes, notre mission, elle est organisée pour communiquer à la direction toute situation qui nous paraît à risque dans une dimension très pédagogique qu'on appelle la phase zéro de l'alerte, pour lui dire « attention, là, il y a un problème ». Il faut que vous puissiez accorder de l'attention et organiser une mesure de sauvegarde parce que vous êtes en situation à risque. Et on peut le faire facilement quand on s'adresse à lui et qu'à lui seul, et qu'à terme, on sait que la communication qu'on aura eue entre lui et nous va rester entre nous et que là, on peut dire tout ce qu'on a à lui dire, comme un papa dirait à son petit garçon, alors l'image n'est pas très belle, mais un arbitre dirait à un joueur de rugby, « Monsieur, reculez, vous êtes bientôt hors jeu. » D'accord ? Mais ça, c'est essentiel dans notre relation de confiance. Quand on va dire un truc à un dirigeant, il sait que ça reste entre lui et nous. Donc, il a enlevé la barrière. Attention, s'il me dit ça et que je le laisse faire, je vais me mettre en défaut par rapport à d'autres personnes qui pourraient venir me juger. Et c'est très dangereux. Quand on fait une procédure d'alerte, on communique d'abord avec la direction, ensuite avec son conseil, et s'il n'y en a pas, ou alors s'il y en a un, après avec l'assemblée. Donc, à chaque stade, on reste au sein de l'entreprise avec les décideurs de l'entreprise pour trouver des solutions. Là, on ouvre un champ qu'on ne maîtrise pas. On ne sait pas comment notre rapport peut être interprété et qui pourra le lire. Et c'est très, très dangereux. J'ai deux réactions. Pour nous et pour l'entreprise. Deux réactions. C'est ceux qui nous suivent. Gilles Doriac qui s'interroge. Est-ce que ALP n'est pas un bon moyen de tester l'appétit du marché pour les missions de commissariat aux comptes ? Alors, Gilles est taquin, je le remercie de sa question. C'est un moyen, mais c'est un moyen de voir que ça ne marche pas. Et ça, c'est le côté à moitié vide du verre. J'aurais préféré l'autre côté, un moyen qui permette de démontrer que c'est utile. Alors, si ALP n'est pas la bonne solution, est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre un trait sur ces PME de moins de 8 millions de chiffre d'affaires ? Alors, je réponds rapidement, mais je vais laisser la parole à mes amis aussi. Non, on ne peut pas dire que c'est le moment de mettre un trait. Si on considère que le commissariat aux comptes n'a pas d'intérêt pour la sécurité économique dans le tissu des petites PME qui représentent 80% des entreprises françaises, alors effectivement, on peut faire un trait. Or, j'ai, moi, en tout cas, mon ambition, c'est de dire que je peux avoir une utilité
pour le chef d'entreprise, mais aussi pour son environnement, tout en ne mettant pas le chef d'entreprise et son entreprise en danger par rapport à la communication que je vais devoir faire. Donc, c'est ce moyen-là qu'il faut trouver, sur lequel on travaille. On a des idées, on développe des idées, mais faire un trait, ce n'est pas du tout un objectif qui peut être acceptable pour moi. C'est clair que de toute façon, Pacte avait au moins un avantage, c'est qu'il existait avant des situations qui étaient totalement ubuesques, où on avait des commissaires aux comptes en présence d'un expert comptable sur des sociétés avec un seul actionnaire, où véritablement, il était clair qu'il fallait modifier le texte de loi. À l'époque, les présidents successifs de la CNCC, dont un en particulier, disait « faut pas marcher sur la queue du tigre ». Bon, en effet, nous, on prévenait hein, chez ECF, on avait dit « attention, il y a des rentes de situation aujourd'hui, il va falloir essayer de les modifier, il va falloir remodifier, il va falloir adapter un audit spécifique pour les TPE et pour les PME ». Ça n'a jamais été fait. Et puis un jour, le tigre est sorti de sa cage et bien évidemment, là, il a fait des dégâts parce que c'est vrai que les seuils, ça a été très brutal. D'un coup, on est arrivé avec une typologie qui n'est pas du tout la réalité des… Mais pardonnez-moi, mais sans refaire l'histoire, Vincent, là, et après, on essaiera d'avancer, mais sur ce volet-là des relations avec les PME qui ont échappé à votre champ de compétences, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelle est la proposition que vous formulez à ECF pour essayer de raccrocher le wagon? Pour raccrocher le wagon, comme je l'ai dit, de faire une mission qui est adaptée par rapport au marché. Donc, il faut aller au-delà de la certification. Il y a toutes les missions de conformité. On en discute souvent dans la commission de Jean-François chez ECF. On peut parler des missions de conformité sociale, fiscale, environnementale. Il ne s'agit pas d'être en superposition avec le métier de l'expert comptable, mais il est clair qu'il faut que, en fait, notre certification et notre travail soient utiles à nos clients. Elle peut l'être pour les relations avec la banque, pour les relations avec la Banque de France aussi, pour les notations. Michel Ribollet, qui nous suit depuis l'île de Ré, il était là ce matin déjà, il est d'une fidélité à toute épreuve. Il nous dit, est-ce que la NEP 912 n'est pas le bon vecteur pour entrer dans les PE? Jean-François, je te laisse répondre. La NEP 912, c'est une norme qui prévoit un exercice de 6 ans, dans une mission de 6 ans. Et effectivement, on a créé en urgence la 912, en complément de la 911, qui est la NEP sur les 3 années, tout simplement pour dire, si on veut un mandat de 6 ans, il y a un vide juridique, donc on a créé la NEP 912. Donc effectivement, ça veut dire qu'on revient dans le schéma d'avant. Donc oui, c'est le moins mauvais des vecteurs aujourd'hui, mais ce n'est toujours pas la solution. Je veux dire, on a essayé de faire enfiler un pyjama à taille unique à tous les professionnels pendant 12 ans, depuis 2009, où on a sorti la première NEP PE, et en se disant, en fait, ça ne marche pas parce que les professionnels ne sont pas bons. Donc, on va leur apprendre à travailler. Donc, on leur a expliqué comment communiquer. Ça a été la norme de bon exercice. On leur a expliqué comment faire un dossier. Après, on a fait un pack ambassadeur. Après, on a fait une nouvelle communication. Mais purée, je pense que les professionnels sont de qualité. Ils savent faire. Ils savaient faire de l'audit avant la LSF de 2003. Ils savent toujours faire de l'audit. Faisons un peu confiance aux professionnels et allons voir, non pas au niveau des professionnels où sont les freins, mais au-delà, où sont les freins et construisons quelque chose. Alors, question rapide et réponse rapide. Hein. Est-ce que vous avez un retour, c'est Étienne Jacomet qui pose la question, est-ce que vous avez un retour sur le nombre de missions Alpes qui ont été faites et le nombre de missions qui se sont terminées suite à la loi Pacte? Est-ce qu'on a des éléments d'information? De mon côté, j'en ai pas, mais je pense qu'on n'en aura pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il faut faire les déclarations de mandat. Les premières lois Alpes qui ont pu être créées, c'est ceux qui ont été désignés l'année dernière au moment des assemblées. Et donc, ils ont fait leur première certification là maintenant et leur déclaration d'activité au mois de septembre. Donc, on ne sait pas le nombre de mandats qui ont été effectivement signés sous ce format-là. Donc, Nathalie s'inquiète, elle nous dit « Ok, mais l'audit de demain, c'est quoi ?» Alors, on va essayer par questionnement d'avancer. Alors, on a dit la mission Alpes, vous souhaitez qu'elle soit revisitée pour être adaptée et correspondre un peu mieux aux besoins à la fois des petites entreprises
et à votre exercice de la profession. Il y a des missions dans le cadre du rebond qui a été évoqué, l'examen de la conformité sociale, l'audit des systèmes d'information. Tiens, Olivier, est-ce que ce sont des pistes intéressantes ? Oui, l'audit des systèmes d'information, effectivement, je pense que c'est une piste intéressante. Ça fait forcément partie des éléments qui sont à prendre en compte par le commissaire aux comptes, compte tenu de la numérisation globale de plus en plus importante des entreprises. C'est un changement d'approche compte tenu d'un changement d'outil qu'on retrouve dans la plupart des entreprises. Donc, c'est simplement une adaptation. Pour autant, ça ne change pas fondamentalement la mission. Voilà, simplement, on s'adapte aux nouveaux outils informatiques qu'on a face à nous dans les entreprises. L'appréciation de l'efficacité des dispositifs de cybersécurité, est-ce que ça aussi, ça vous paraît être dénué d'intérêt ou au contraire, est-ce que c'est une piste intéressante économiquement en tout cas ? C'est forcément une piste intéressante. C'est quelque chose qui est nécessaire depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît aujourd'hui. Dans l'émission, il a toujours fallu s'assurer que les systèmes d'information étaient intègres et ne risquaient pas de faire perdre des données. Donc oui, bien sûr que c'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Et en tout cas, il faut là, pour le coup, faire évoluer les choses. Il n'y a aucune règle, aucune norme qui a été proposée par les institutions jusqu'à maintenant là-dessus. Mmh. Tiens, Gilles Doriac qui nous dit « On cherche à tout prix à vendre de la sécurité et du contrôle à des dirigeants propriétaires de leur entité. N'est-il pas plus naturel de vendre ces missions à ceux qui en ont besoin, banquiers, clients des entreprises, et ce, dans un cadre contractuel ?» Ben voilà, Gilles est d'accord avec nous. Il faut aller voir quel est le besoin du marché pour pouvoir donner satisfaction à cette population-là et d'aider les entreprises à apporter une réponse efficace. Et je pense que là, il y a du grain à moudre. Alors, pour vous avoir suivi, même si je confesse mon incompétence en matière d'audit et de commissariat aux comptes, mais j'ai cru comprendre que vous souhaitiez vous engager sur le terrain non pas du conseil, mais de la recommandation. Et là, je me suis dit, oulala, terrain dangereux. Qui peut m'éclairer ? Je peux en parler. En fait, c'est une subtilité importante. Effectivement, il faut bien faire la différence entre une recommandation qui fait partie intégrante de notre mission. C'est quasiment notre devoir professionnel que de faire des recommandations. Et un conseil qui est complètement différent. Une recommandation, ça porte toujours sur un sujet à risque, c'est-à-dire un sujet qui peut avoir un impact négatif significatif sur l'entreprise qu'on audite. Donc, ça peut être un problème réglementaire, ça peut être un risque fiscal, ça peut être un risque social, mais quoi qu'il arrive, ça peut avoir un impact économique sur l'entreprise. Et donc, notre devoir d'alerte de commissaire aux comptes, notre sentinelle, c'est de dire attention aux dirigeants, attention, il y a un sujet que vous n'avez pas maîtrisé et qui peut avoir un impact sur l'entreprise. Et donc, il faut absolument vous mettre dans les clous. Et notre mission s'arrête là. C'est-à-dire qu'en aucun cas, on va l'aider dans la mise en œuvre du correctif. Le conseil, c'est différent. Le conseil, très souvent, c'est positif. C'est-à-dire que le client, il n'a rien demandé et on va aller lui proposer des solutions pour améliorer. Donc, on est bien dans un registre positif, améliorer l'organisation. Le conseil, c'est réservé aux experts comptables et c'est réservé à d'autres professions non réglementées. La recommandation, c'est du registre des commissaires aux comptes. Il faut vraiment faire la différence entre les deux et le mélange des genres est ultra dangereux parce que par définition, si en tant que commissaire aux comptes, je commence à faire du conseil, je ne suis plus indépendant. Et donc, je perds complètement mon ADN. C'est la métaphore de l'arbitre de rugby de tout à l'heure. C'est Monsieur Chabal, vous avez donné un coup de poing à votre adversaire. Au deuxième coup de poing, vous risquez de le tuer. C'est un peu ça. Vous êtes presque trop loin là encore parce qu'il est déjà dans la sanction, l'arbitre. Ça veut dire qu'il accompagne Chabal en lui disant « calme-toi ». Moi, ce que j'aime dans l'arbitrage du rugby par rapport au foot, c'est qu'il fait partie du jeu, il est au milieu des joueurs et il commente à certains joueurs qui risqueraient d'être en infraction de se remettre à leur place en leur laissant la liberté de ne pas le faire. Et il sanctionnera dès que la faute aura été révélée, mais il aura permis de fluidifier le jeu et de maintenir un jeu sécurisé. Donc, c'est ça le rôle du commissaire aux comptes. C'est comme le dit Olivier, voilà, on a détecté une situation au risque, on vous recommande de mettre en place tout de suite des actions correctives et si vous avez besoin d'être accompagné, orientez-vous vers d'autres professionnels, experts comptables quand il y en a un, évidemment.
Vincent, c'est ce que disait Olivier, toute la difficulté entre mais elle est relativement évidente entre la recommandation et le conseil, c'est la ligne jaune qu'il ne faut pas franchir. Alors aujourd'hui, on est en train d'avoir une modification de notre code de déontologie. Beaucoup ont l'impression que tout est permis aujourd'hui, sauf ce qui est interdit. Ce n'est pas du tout la même chose. Je veux dire que de dire qu'il y a des services interdits, ça ne veut pas dire que tout ce qui est interdit, qui n'est pas interdit, est permis. Il y a des choses qui ne sont pas permises. Et la limite, comme l'a très bien expliqué Olivier tout à l'heure, entre la recommandation et le conseil, c'est que le conseil, c'est d'aller voir un client qui n'a rien demandé et d'aller lui proposer un produit. Ça, ce n'est pas véritablement dans l'ADN du commissaire aux comptes. C'est d'autant moins dans son ADN quand derrière, il va aller vérifier que ce produit a apporté une opinion sur ce produit à l'intérieur de sa certification. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être en position d'autorévision. En revanche, j'aime bien aussi la métaphore du rugby, dire à quelqu'un de ne pas de respecter les règles ou de lui expliquer qu'il est en limite et qu'il est dans une zone de danger, ça, c'est véritablement notre rôle et c'est même notre obligation. Mais ne surtout pas penser qu'aujourd'hui, le code de déontologie va être la solution pour remplacer toutes les missions qui auraient pu être perdues dans le cadre de la loi Pacte. Ça, c'est une aberration. Il ne faut pas mélanger les genres. Alors, j'ai quelques commentaires qui me parviennent, qui sont un tout petit peu plus teintés de politique, j'allais dire, au sens syndical du terme. Je les réserve peut-être pour la fin, si vous le voulez bien. Moi, j'ai d'autres questions, toujours sur cette situation économique de la profession. Qu'est-ce qu'il faut faire, alors? Parce que là, on est dans la critique de ce qui est fait ou proposé, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, chez ECF? Chez ECF, le problème, c'est qu'on a, depuis plusieurs années, essayé d'émettre des avis, des idées, des propositions directement avec la gouvernance de la CNCC à plusieurs reprises. On ne sait pas si on a été entendu, mais le fait est que les idées qu'on défendait n'ont jamais été prises au sérieux et proposées dans une voie de développement. Je vous donnais juste un exemple, mais je ne veux pas critiquer le travail qui a été fait par le président Jean Boucaud, parce qu'il avait une tâche difficile et il l'a menée crânement, mais dans un contexte difficile. En revanche, peut-être qu'il n'a pas choisi les bonnes solutions à certains moments. Mais quand il arrive et qu'il crée ce qu'il a appelé un pôle PE, dans lequel il a investi énormément de ressources, c'est-à-dire des élus qui se sont investis dans des commissions, pour essayer de réfléchir, pour revoir comment faire pour rendre cette mission attractive. Il a multiplié les commissions qui se sont intercroisées, qui n'ont pas taugé, pour aboutir à rien de concret. Et dans l'urgence, en 2019, ils ont investi, alors j'ai cru comprendre que c'était à peu près 5 millions d'euros de budget, pour aboutir à ce qui s'appelle le rebond, c'est-à-dire une petite vingtaine de missions, qui sont des missions qu'on peut faire en tant qu'expert comptable, qu'on était déjà en capacité de faire avant, qu'on peut faire aujourd'hui, mais ce n'est pas ça qui va sauver la profession. Ça risque même de nous mettre en danger quand il y a un expert comptable sur le dossier. Alors, il y a une question justement qui se pose. C'est Olivier qui dit, mais puisque la limite entre le conseil et la recommandation est bien identifiée, pourquoi les experts comptables ont-ils peur de voir les commissaires aux comptes arriver chez leurs clients? Je ne crois pas qu'ils en aient peur. Le danger, il viendra de certains professionnels qui vont essayer d'aller chercher des missions complémentaires alors qu'il y a déjà un expert comptable. Et donc là, le danger, ça va être de se battre sur le prix pour proposer la même mission puisqu'on n'aura pas d'autres éléments de différence. Donc ça, c'est un vrai danger. C'est comme partout, hein, dans toute population, des dirigeants d'entreprise ou des commissaires aux comptes, il y a des gens intègres, il y a des gens intelligents, il y a des gens qui sont moins efficaces. On ne peut pas empêcher la nature d'être ce qu'elle est et la population des commissaires aux comptes d'aller de temps en temps plus loin qu'ils ne devraient. Donc, les experts comptables, c'est nous-mêmes, c'est les mêmes personnes. On peut aussi redouter parfois qu'un commissaire aux comptes qu'on connaît empiète un peu sur nos plates-bandes et mal l'apprécier. L'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est de dire la profession dans son ensemble a un vrai rôle de conseils, d'accompagnement pour faire grandir les entreprises,
pour améliorer leur système d'information, leur système de gestion. Ça, c'est le rôle de l'expert comptable pour les accompagner. Il y a un deuxième rôle, c'est sécuriser l'économie pour permettre à chaque entreprise de pouvoir s'appuyer sur la sécurité financière des entreprises qui l'environnent, ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires, et les participations que l'entreprise peut avoir aussi. Donc là aussi, il y a un rôle du commissaire aux comptes. Ce rôle, il est différent. Une question que nous pose, qu'est-ce que c'est que ce bruit qui nous revient, Pierre Coulon, qui dit, est-ce que l'audit de demain laisse la possibilité d'exercer dans une structure de type un commissaire aux comptes plus un collaborateur avec une quinzaine de mandats de taille moyenne, comme ça existait jusqu'à maintenant? À défaut, quelles sont vos recommandations, vos conseils? Il faut aujourd'hui, il est clair que c'est compliqué. Et c'est vrai qu'avec la loi Pacte, on a mécaniquement, pour certains cabinets, une diminution importante des mandats, et que néanmoins, c'est compliqué, avec peu de mandats ou peu de ressources, de pouvoir véritablement effectuer les missions de commissariat aux comptes. Mais ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les ressources en interne qu'on ne peut pas les avoir en mutualisant les moyens. C'est tout le travail que doivent faire aussi les CRCC, des compagnies régionales, aider les confrères, d'une part, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais à s'approprier des outils, parce que l'audit de demain, c'est aussi avec des outils… Ça, j'ai des questions à vous poser sur ces sujets. Il y a sûrement beaucoup de choses à faire, mais c'est aussi permettre aux confrères de se regrouper, de se mutualiser pour peut-être acquérir les moyens informatiques, mais aussi les moyens humains. On peut parler de ces moyens. Mais on peut tout à fait mutualiser des collaborateurs dans des équipes qui sont dédiées au commissariat aux comptes pour ne pas abandonner, ce qui est un point important de la formation des experts comptables et des commissaires aux comptes, et laisser tomber une activité qui, somme toute, est importante, ne serait-ce que pour avoir des stagiaires. Bon, pour compléter la question de Pierre et pour le rassurer, moi je crois fondamentalement à la pertinence du modèle des cabinets de taille moyenne ou de taille intermédiaire pour deux raisons essentielles. La première, c'est que, à la différence des grandes firmes d'audit, le dirigeant d'un petit cabinet, c'est un dirigeant, c'est un patron. Et bizarrement, quand un patron parle à un autre patron, il y a un dialogue qui est forcément d'un meilleur niveau, en tout cas qualitatif, et la relation de confiance s'instaure beaucoup mieux. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est que quand vous avez un cabinet de petite taille ou de taille moyenne, quand vous signez en bas du rapport, vous engagez tout votre patrimoine. Et ça, très clairement, ça évite beaucoup les scandales. Et d'ailleurs, tous les scandales financiers qu'on voit, bizarrement, ne concernent quasiment jamais les cabinets de taille intermédiaire. Une remarque, pourquoi de Nathalie, mais pourquoi le commissaire aux comptes n'arrive-t-il pas à mettre en exergue son indépendance si particulière? Et d'ailleurs, cette indépendance n'est-elle pas battue en brèche par la loi Pacte? Ça, c'est une remarque. Karl, à Paris, est en colère, une colère noire. Il nous dit, mais par qui et pour qui est dirigée la CNCC? EY, dont la clientèle est composée d'entreprises du CAC 40 et du SB 120, ne perdra aucun mandat dans cette loi Pacte, etc., etc. Vraiment, on voit l'amertume exprimée par notre ami Karl. Moi, j'avais une autre question. Alors, pour revenir sur la numérisation, est-ce que l'audit de demain et le CAC de demain sera à l'écart de la numérisation de la profession? Ou alors, est-ce que vous considérez que vous êtes déjà des professionnels tout à fait équipés de tout point de vue, matériel, humain, compétences, tout ce qu'on est équipé. On est équipé parce que la Compagnie nationale a investi dans un outil extraordinaire qui s'appelle le SmartFEC. Et là, c'est une boutade. C'est pas avec ça qu'on va auditer les comptes des sociétés. C'est un peu plus compliqué. Mais effectivement, l'enjeu numérique, il existe. On est déjà dedans et je pense que ça fait des années que chacun d'entre nous, on s'est organisé. On a beaucoup de progrès à faire, c'est évident. 2024, c'est la limite des documents papier. Donc, notre audit sur la base de factures de bons de livraison, eh bien, il va s'arrêter au 31 décembre 2024. Donc, il faut qu'on évolue avec ça. Mais l'enjeu, il est pas que là, parce que c'est l'enjeu national, c'est l'enjeu de toutes les entreprises, c'est l'enjeu des cabinets d'expertise comptable, mais également les enjeux des cabinets de commissaires aux comptes. Donc, le numérique, c'est un enjeu pour notre démarche.
Je pense que on a tous en tête qu'on a déjà commencé à traiter des fichiers de grosse taille avec d'autres outils que Excel, même si depuis quelques années il a plus de puissance. Mais c'est pas le SmartFact qui va nous aider à faire l'audit des comptabilités dématérialisées. Un audit dématérialisé, c'est d'abord une réflexion sur les zones de risque et ensuite des compétences qu'on va mettre en face des zones de risque qu'on a identifiées. Et c'est peut-être ces compétences qui vont nous manquer. C'est une vraie difficulté aujourd'hui pour les cabinets de taille intermédiaire et de petite taille. Aller trouver un informaticien qui soit à la fois capable de faire une analyse de réseau et à la fois une analyse de fichiers et à la fois une analyse de cybersécurité sur des systèmes d'information qui sont ajoutés les uns et les autres dans un environnement parfois hétéroclite. C'est très difficile, c'est un oiseau rare et le recrutement n'est pas facile. Donc là, il y a un travail à faire de ce côté-là, c'est ce que Vincent évoquait. Moi, je rejoins le propos de notre consoeur sur l'organisation de la profession et puis de notre confrère qui était d'une colère noire. Les bigs ne sont pas des ennemis pour nous. La difficulté, c'est qu'effectivement, ils sont très influents sur la compagnie nationale et ils ont pris des décisions qui étaient nécessaires pour leur développement à eux et ils ne connaissent pas le reste du marché. Et c'est là le danger, c'est qu'ils ne considèrent pas ce reste du marché. Donc, il faut aller démontrer l'utilité. Sur le terrain, ce n'est pas eux qui viennent nous prendre des mandats. Vincent, sur ce volet numérique, vous m'aviez dit que la fracture numérique existait déjà chez les CAC. Bien sûr qu'elle existe. Bien sûr qu'elle existe et c'est sûr qu'elle s'accentue avec l'exemple qui a été donné tout à l'heure sur les gens sur les confrères qui ont une activité qui est très réduite et qui n'ont pas les moyens de pouvoir acquérir les techniques et les outils. Et tout le rôle de véritables institutions et d'institutions de proximité, c'est de les aider à acquérir ces choses-là au meilleur coût. Je dirais avec la meilleure efficacité. Quand on regarde la période du Covid on a commencé notre conférence tout à l'heure, on était tous confinés les uns les autres. Et pourtant, on l'a dit tous les trois, rarement les commissaires aux comptes ont été aussi présents sur les clients. Et pour autant, on a quand même pu travailler, on a pu quand même auditer les comptes des sociétés, même si la loi permet des décalages dans le timing des assemblées générales. Aujourd'hui, on a plein d'assemblées qui se tiennent. Et pourquoi on l'a fait sans se déplacer? C'est parce que, bien évidemment, on a travaillé avec des outils numériques et la digitalisation, elle était présente pour tout un chacun pour pouvoir mener nos audits. C'est certain que ceux qui voulaient rester véritablement que sur des documents papier, là, il y a une véritable fracture. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est dire à ses confrères ou à ses consoeurs c'est fini, tu ne pourras plus faire d'audit? Non, mais il y a un énorme travail de formation, de mutualisation et de mise à disposition de moyens. Et ça, c'est aussi que l'on doit avoir au sein de nos institutions. Une question qui concerne la PI. Pardon, je vous ai coupé. Non, je disais, c'est ce qui est déjà le cas, je pense notamment à la Compagnie de Paris qui a fait un travail énorme pour accompagner les confrères sur ces sujets. C'est déjà le cas des compagnies régionales. Ah ben, les compagnies régionales, elles le font, ça c'est clair. Jean Safford nous dit… Il est bien placé pour en parler. La fracture numérique existe aussi bien pour l'expert comptable et le commissaire aux comptes, pour les deux. Une question sur la piste des audits des collectivités locales. Est-ce que pour vous, c'est un marché qui s'ouvre et qui pourrait être d'avenir dans un contexte où on cherche de nouveaux marchés? Alors, là-dessus, ça pourrait être un marché. Il y a 36 000 collectivités, donc 36 000 communes. Ça pourrait effectivement être un marché intéressant. Il y a deux écueils importants sur ce sujet. Le premier écueil, c'est que c'est une matière qu'on ne connaît pas ou très mal, et donc il faut se mettre sur ce sujet. La Compagnie nationale a d'ailleurs créé une commission technique pour aborder ce sujet. Le problème, c'est que cette commission, elle est quasi exclusivement trustée par des grands cabinets. 90% des membres de la commission sont des grands cabinets. Donc, autant dire que les cartes sont déjà à peu près battues. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que par définition, comme on est sur des collectivités, c'est des missions qui seront obtenues par appel d'offres publiques. Et dans les réponses aux appels d'offres publiques, il y a deux critères. Le premier critère, c'est qu'il faut avoir des références. Et donc, seuls ceux qui ont fait partie de la commission pourront
dire qu'ils ont une référence technique sur le sujet. Donc, on voit bien que le marché n'est pas encore ouvert, qu'il est déjà complètement trusté. Le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, c'est les moins 10 ans qui obtiendront les marchés. Et donc, c'est probablement un marché qui va être un marché de low cost. Donc, je pense que ce ne sont pas des marchés qui vont grandir la profession. Non, je suis assez d'accord avec ce que dit Olivier. Et en plus, on a l'exemple de l'ouverture de la certification à la fois pour les universités et puis pour les hôpitaux. Les premiers rapports qui ont été émis étaient juste illisibles tellement il y avait de réserves. Donc, il y a un travail de mise en place, de formation, d'éducation des collectivités pour qu'ils puissent avoir une présentation des comptes qui soit conforme aux règles. Ce n'est pas qu'ils ont des comptes qui sont faux, c'est qu'il y a tout un tas d'obligations qui s'imposent, qui font qu'à un moment donné, en tant que commissaire aux comptes, comme je n'ai pas pu avoir la justification du document parce qu'il n'a plus été maintenu ou qu'il est parti ailleurs, ou etc., c'est très compliqué. Donc, on voit que la difficulté pour aller sur ce terrain est grande, est très, très grande, que c'est certainement un axe intéressant. Après, quand on en parle à quelques élus, lorsqu'ils arrivent, ils disent « Ah oui, un audit de ce qui s'est passé avant, mais moi j'achète, dis-moi comment tu fais. » On explique exactement les règles, ils disent « Non, mais moi c'est pas ça, je veux juste que tu me dises là où ça va pas et comment je fais. » Et donc, non, c'est pas ça. Donc, c'est très compliqué parce que l'élu n'a pas du tout connaissance, sauf si c'est un chef d'entreprise, ça arrive aussi, hein, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Et c'est très compliqué. Mais c'est un marché qui peut s'ouvrir, oui. Pourquoi pas. Quelque chose qui pourra peut-être être repensé à terme, on avait essayé de le mettre en place il y a quelques années à Paris, c'est une collaboration avec les chambres régionales des comptes qui pourrait être faite parce qu'on se rend compte que les conseillers aux chambres régionales des comptes ne sont pas obligatoirement formés aux techniques d'audit et les commissaires aux comptes, à contrario, même s'il y en a qui en ont fait une spécialité, mais ne sont pas véritablement non plus formés à la comptabilité publique. Il y a véritablement, à mon avis, des interactions à mettre entre les chambres régionales des comptes et les confrères. Et c'est que dans ce cadre-là qu'éventuellement on pourra faire. Et les chambres régionales étant débordées de dossiers, c'est sûr qu'il y a sans doute des missions d'appui à imaginer. Jean Safort qui revient, vous savez, quand il a une idée en tête, Jean, il persiste et il dit sur la fracture numérique, il dit si les institutions n'aident pas les confrères, est-ce que ça n'est pas à ECF de mutualiser les moyens ? ECF a sa mission en tant que fédération syndicat professionnel d'accompagner effectivement la profession dans son ensemble et plus particulièrement ses adhérents. Il a raison et on le fait. Le truc, c'est qu'il faut que ce soit aussi une idée et une action qui se développe au niveau national et pas seulement sur une fédération. Donc oui, ECF peut aider les confrères, ça c'est sûr. Les compagnies régionales ont aussi leur rôle parce qu'elles ont cette proximité qui est très, très importante pour faire ce travail-là. Mais le vrai enjeu, c'est de bien définir les règles. Et ça, c'est le rôle de la compagnie nationale avec le H3C. Et il faut revoir en profondeur cette mission. Son contenu, il existe, on le connaît. C'est son utilité qui n'est pas identifiée. Donc, c'est ça qu'il faut revoir. On a, et Olivier l'a très bien décrit, on a été, et Vincent aussi d'ailleurs, on a été sollicité avec une nécessaire réactivité pour aider les entreprises à aller valider leur business plan pour lever des PGE ou les situations. On a su faire. C'était des attestations que le commissaire aux comptes pouvait faire quand il n'y avait pas d'expert comptable. Mais c'est aussi cette spontanéité qui n'existe pas aujourd'hui quand je suis commissaire aux comptes d'une PME. Comme le disait Gilles, le dirigeant, c'est quasiment le seul actionnaire. Et je vais le voir au mois de juin, 6 mois après la date de fin de son exercice, pour lui dire bah, « voilà ce que je pense de ton exercice ». Il n'en a rien à faire. En revanche, l'environnement autour de lui pourrait se dire bah, « tiens, c'est pas mal parce que la société, elle est certifiée. Donc moi, Banque de France, je vais lui mettre une petite coche supplémentaire dans sa notation ». Mais non, ce n'est pas le cas. Moi, établissement de crédit ou banque qui va accompagner cette entreprise, comme c'est certifié, j'ai une sécurité plus grande sur la qualité des comptes. Alors, vous allez me dire, si c'est un expert comptable qui a fait les comptes, normalement, ils sont justes, je suis d'accord. Mais ça, ce n'est pas valorisé. Donc, ça veut dire que le rôle du commissaire aux comptes, quand il consiste à faire ça, il n'est pas perçu comme étant utile, même s'il contribue par cette fameuse phase zéro de l'alerte
notamment à la pédagogie et à l'éveil du dirigeant sur des sujets qu'il n'a pas vu venir. Il le détectera, il sait travailler, il n'a pas besoin de nous. Mais nous, on arrive avec un regard neuf et on pose des bonnes questions, donc c'est intéressant. Alors, il y a quelqu'un qui pose des bonnes questions aussi, c'est Nathalie qui nous dit, est-ce que vous pensez que l'audit en continu sera la démarche de demain et à quel horizon ? Ben, l'audit en continu, c'est un rêve. Ça veut dire qu'on est branché en permanence sur la compta du client et on a des signaux d'alerte qui nous font réveiller et intervenir. Mais cette notion d'audit en continu, elle est vraiment intéressante parce que il faut faire quelque chose. La mission, elle a un caractère permanent, mais ça ne veut pas dire qu'on est en permanence dans l'entreprise. Ça, tout le monde l'a bien compris. En revanche, intervenir que épisodiquement et après que les comptes soient établis, c'est-à-dire après que l'année soit terminée, n'est peut-être pas le bon format. Il faut peut-être imaginer autre chose. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. J'aurais bien aimé qu'on parle un petit peu de l'institution, la CNCC, puisque les enjeux sont majeurs dans quelques mois. D'abord, les relations entre la CNCC et le H3C. Comment vous appréciez ces relations aujourd'hui et quelles doivent être ces relations demain ? Les relations aujourd'hui, c'est une question piège, mais pas répondre pour la CNCC, mais enfin les relations aujourd'hui, disons qu'elles ne sont pas optimum, c'est le moins qu'on puisse dire, que le régulateur à un moment est resté dans son rôle. Souvent le régulateur il a pu être décrié, hein, c'est une institution relativement récente, donc lorsqu'on a un gendarme avec des membres qui ne sont pas issus d'une profession, bien évidemment, on a toujours tendance à critiquer le gendarme. Et c'est vrai que le régulateur, il a souvent été vu comme une contrainte pour les confrères et somme toute pas obligatoirement apprécié à ses justes qualités, mais aussi il a été mesuré aux défauts ou aux excès ou aux zèles qu'il pouvait faire dans l'exercice de ses prérogatives. Aujourd'hui, les relations avec la CNCC, elles sont compliquées. Pourquoi elles sont compliquées ? Parce que le régulateur, il est resté dans son rôle. Et on revient sur le point que Olivier avait souligné tout à l'heure sur la différence entre les recommandations et les conseils. Il a rappelé quelles étaient les lignes jaunes, ou les lignes à ne jamais franchir. Et aujourd'hui, on a une CNCC qui, suite à Pacte, a voulu s'affranchir d'un certain nombre de règles, avec la mise en place d'un code de déontologie qui ouvre les portes pour le moins à pas mal de questions, avant de dire d'abus, étant donné que ce sera la doctrine qui fera la part entre les abus et la réalité, mais qui ouvre la porte à une possibilité d'excès. Et le H3C a exigé, d'une part, de pouvoir avoir une vision globale sur l'activité des commissaires aux comptes, ce que ne voulait pas la gouvernance de la CNCC. Donc aujourd'hui, pour le moins, même si je ne veux pas m'engager plus, mais je pense que les difficultés de relation entre la CNCC, ou du moins de communication, à défaut de relation entre la CNCC et le H3C, sont une réalité. Olivier ? On peut effectivement rajouter, pour compléter les propos de Vincent, c'est que je crois qu'il y a eu deux périodes dans le H3C, mais que depuis 5-6 ans, c'est-à-dire depuis la présidente Madame Guéguin est à la tête du H3C, elle s'est véritablement intéressée à notre profession. Elle est beaucoup au contact des confrères en région, dans toutes les compagnies régionales, pour essayer de comprendre véritablement la subtilité de notre profession. Et elle a eu l'humilité de le dire en disant « Moi, je suis une haute magistrate, je ne connais pas votre métier. Quelque part, c'est moi qui vais le diriger, donc il faut m'aider à comprendre. » Elle nous a posé beaucoup de questions. On a parfois été en désaccord sur des sujets. Par exemple, on parlait des recommandations et du conseil. On n'était pas d'accord au début. Et puis, elle a compris, au bout d'un moment, la différence entre les deux. Et une fois qu'elle a compris, elle a soutenu la profession. Et on l'a vu très récemment pendant la loi Pacte. Elle a énormément défendu notre profession. Mais quand je dis énormément, c'est-à-dire qu'elle l'a probablement beaucoup plus défendu que la compagnie nationale, ce qui est assez paradoxal. C'est-à-dire qu'elle est même sortie de son rôle de régulateur, tellement elle a confiance et tellement elle croit dans l'intérêt de cette profession au sens large, c'est-à-dire dans sa singularité avec des petits cabinets, des cabinets intermédiaires et des plus gros. Donc
c'est le dernier rempart, c'est la dernière protection qu'on a, nous, commissaires aux comptes. Et donc, il faut soutenir le H3C à 250%. C'est le dernier rempart qu'on a. Donc, c'est le dernier rempart. Temps de le dire. Jean-François, dans quelques mois, donc, une échéance importante. Quels sont les grands thèmes qui, selon vous, devraient émerger dans le débat qui précède toute élection? Le débat, il ne peut que s'orienter sur l'avenir. Maintenant, le décor est planté. La loi Pacte est installée. On a encore 4 années avant les derniers mandats qui ont pu démarrer juste avant la loi Pacte. Et on va mesurer comment ça évolue. Mais l'enjeu, il est comment on va appliquer ces règles, comment on va appliquer ces fameuses NEP 911-912, quelles sont les conséquences que ça va avoir et comment réagit le marché. Et moi, je pense que le débat, il doit avoir lieu autour des deux axes de la profession, c'est-à-dire les EIP. Les EIP, ce sont des sociétés qui ont des caractéristiques radicalement différentes des PME. On fait un audit, c'est-à-dire qu'on a la même démarche pour un EIP, mais on le fait avec des moyens, avec des enjeux, avec des structures qui sont beaucoup plus complexes et qui nécessitent beaucoup plus de moyens et qui légitiment complètement la création de grosses structures d'audit dans lesquelles on va mettre des compétences très variées, très diverses et qu'on va pouvoir apporter des réponses très précises. Et ça, ça doit exister, ça doit perdurer et ça doit se développer. Mais cette même logique, cette même mission, quand elle s'applique à une petite entreprise, et comme Gilles Doriac nous le disait tout à l'heure, où le dirigeant est le principal actionnaire, c'est aussi quelqu'un qui est tout seul pour décider et prendre des décisions au quotidien, parce qu'il n'a pas de directeur financier, il n'a pas de directeur commercial, il n'a pas de directeur des ressources humaines, il n'a pas de directeur environnement, etc. Donc, autour de cette société, de cette PME, la démarche doit être adapté, mais ça ne veut pas dire qu'il faut réduire le nombre d'heures, mais qu'il faut faire les mêmes manières d'auditer. Il faut repenser ça et il ne faut pas réécrire une nouvelle NEP 912 ou 913 ou 915. Il faut revoir en profondeur cette démarche d'audit. Il faut travailler là-dessus en allant voir ce que propose, ce qu'attend le marché. Et ce n'est pas la peine de dépenser des millions d'euros en investissant dans des cabinets qui vont faire des études. Ils ne connaissent pas notre métier. C'est à nous d'aller les voir. Donc, le débat, il doit être autour de ça. Et nous, professionnels, on doit proposer des idées. Alors, au sein de CF, on a un petit comité de réflexion. On fait émerger des idées, on va les faire prospérer. Mais si le débat, il n'est pas dans ces enjeux-là de la profession, c'est-à-dire comment j'exerce demain ma profession quand je suis sur des mandats EIP, quand je ne suis pas sur des mandats EIP, et j'aimerais qu'on parle de mandat PE plutôt que de mandat non EIP, qu'on essaie de les valoriser plutôt que de les qualifier avec une négation. Et là, il y a tout un travail à faire là-dedans qui n'a jamais été fait. On a toujours considéré que ça devait être comme le petit frère doit faire comme ses grands frères et tout le monde suit et on embarque tout le monde. Sauf que c'est une vraie mission en tant que telle, elle est radicalement différente. Il faut arrêter de penser qu'on doit la faire avec les mêmes moyens que sur un BID. Pour autant, c'est le même niveau d'assurance. Alors, ce vendredi soir, Bertrand, veille de week-end, lâche les chevaux. Pensez-vous que la compagnie doit être absorbée par l'ordre et devenir une simple section d'une institution unique? Le danger existe. Le danger existe, que ce soit l'inverse aussi. Qui sait? Le vrai sujet, c'est on a une seule profession, on a deux missions, on a deux tutelles. Est-ce qu'il faut garder ça? Est-ce qu'il faut le changer? Ça, c'est un débat qui nous échappe. Moi, je ne vais pas me battre là-dessus. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir. Elle appartient au monde politique. On peut y réfléchir. Jusqu'à maintenant, notre syndicat n'a jamais été invité à cette réflexion-là. On a ouvert des voies. On a ouvert des réflexions de fusion, des institutions pour pouvoir gérer la profession dans son ensemble. Là, on voit qu'il y a une réunion des deux professions brutalement, sans réflexion, sans mesure d'impact sur le même lieu. On ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de stratégie derrière. J'aimerais qu'on réfléchisse à ça sérieusement et qu'on en tire les meilleures opportunités pour la profession dans son ensemble et pas seulement une partie de la profession, que ce soit les experts comptables ou les commissaires aux comptes. C'est nous, de toute façon, c'est nous. Donc, le débat, il n'est pas là. Il est comment s'organiser pour bien servir notre marché. Et réunir les deux institutions pour faire des économies d'échelle, super. Pour réfléchir ensemble, super. Si c'est pour essayer de voir qui va absorber l'autre, alors on aura tout perdu. Ça n'a aucun intérêt.
Messieurs, il est 19h59 minutes et quelques secondes. On est exactement dans le timing. C'est le dernier moment de ce congrès, donc un brin d'émotion quand même. Pas tout à fait, parce que vous savez qu'après chaque plénière, on reçoit des invités surprises et ce sont nos amis de Toise et moi qui nous les présentent. Ce soir, ce sont deux personnes qu'on ne connaît pas. Vous allez voir, ce sont des gens de tous les jours, mais plein de bon sens. Et ils nous ont écoutés. Regardez. Bonjour, Marie-Adeline Varanche. J'ai été commissaire aux comptes au siècle dernier. C'est bien de penser à ceux d'hier pour l'audit de demain. Oh, bonjour, Mme Varanche. Vous parlez toute seule? Non. Je suis invitée surprise au congrès expert comptable de France. 43 ans de bons et loyaux services. Alors forcément, on me consulte. Et j'ai la retraite à taux plein. Ça fait rêver de l'autre côté du poste. C'est messieurs, dames. Martial Gauthier, chambre 212. Chut, j'ai pas précisé que j'étais dans un EHPAD. Si, la maison de retraite au pissenlit. Oh, bon, y est bien. A bien changé le métier de commissaire aux comptes, c'est plus que c'était. Ah bon? C'est une espèce en voie de disparition? Oui, avec la loi Pacte, l'espèce a été complètement décimée. Oh, ben moi, vous voyez, tel que je suis commerçant retraité. J'avais un petit commerce de proximité en droguerie, quincaillerie, fruits et légumes, mercerie fine. Oh, j'en avais plein des commissaires aux comptes. Normalement, il en suffit d'un. Ah oui, non, mais moi j'en avais plein qui venaient se servir au magasin. Et puis j'en avais un qui particulièrement me titillait mes comptes. Ouh, bah à l'époque, il fallait faire au moins 3,1 millions de chiffre d'affaires. Oh, mais je les faisais bien, mes 3,1 millions. Oh, c'était une belle affaire. Oh, bah pensez, dites, et puis en ancien franc. Oh, hey, c'est ce que je déclarais officiellement, hein. Oh, mon commissaire aux comptes, il comprenait rien. Oh là là, il me posait des questions, il voulait savoir. Je dis, monsieur le commissaire, oh, vous êtes de la police. Et maintenant, c'est passé à 15 millions de chiffre d'affaires, hein. Non, je plaisante. 8 millions de chiffre d'affaires. Enfin, ça énerve quand même, hein. Ben moi, je le voyais qu'une fois par an, mon commissaire aux comptes. Ah ben, si vous étiez en activité aujourd'hui, vous l'auriez tous les 3 mois sur le dos. Ils proposent un état de santé à leurs clients. Oh ben avec moi, ils ne seraient pas déçus, hein. Dites, à mon âge, j'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui n'est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, le pylore qui se colore. Bon, excusez-moi, Martial, mais là, je suis en interview. Oula, je ne vous dérange pas, bien sûr. Alors, je vous souhaite à tous de bien réussir l'audit de demain et n'oubliez pas la devise d'hier. Les bons comptes font les bons amis. Voilà. Dites, Mme Varanche, je vous ai trouvé formidable dans l'interview. Bien sincère. Toujours, Martial. Sincère et conforme. Impeccable. Voilà, nos amis de Toise et moi, un peu de bonne humeur hein, en cette fin de semaine qui a été bien remplie pour les experts comptables et les commissaires aux comptes d'ECF. Est-ce que vous m'autorisez, Jean-François, Vincent, Olivier, à remercier évidemment Valentin, Eric et toute l'équipe des permanents d'ECF? Oui, un grand merci. Un travail colossal. Est-ce que vous m'autorisez aussi à saluer avec amitié Florence, Johanna, Manon de CLCOM qui étaient sur tous les fronts avec nos amis partenaires? On les embrasse. Saluons évidemment tous les partenaires d'ECF qui ont été présents sur ce congrès numérique. Ils étaient de l'aventure, puisque c'en est une, hein, de créer en 4 semaines un congrès comme celui-là. Et puis, je ne serais pas un animateur digne de ce nom si je ne saluais pas, voire même si je n'embrassais pas mes amis Noël et Clément qui ont été aux manettes pendant 5 jours. Merci à eux, merci à vous et à très bientôt. Pour notre merci plaisir. Gabi. Et Gabi, un grand merci. Et ton équipe. Un grand merci. Au revoir merci à tout le monde. À très bientôt. Bye bye.